sun don't matter like a love like this, yeah. Allô, elle vers le lit. Hello la Garni family. Bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il y a la neige ici. Mais quoi, qu'on est en Islande. Et oui, il y a la neige, les amis. C'est notre premier voyage de cette année. On va essayer d'aller dans le froid, oui. Faire découvrir la neige aux enfants. On est où, frère? On est en Islande. En Islande. On est à Reykjavik. Ouais, bon, tu peux comme ça. Franchement, ça a été un long voyage parce qu'en fait, il n'y avait pas de vol direct depuis le Dubaï. Donc, on a fait escale en Allemagne. On a des sales gueules. On a fait plus de 16 heures de voyage. Non, t'es toujours aussi belle, ma chère. Juste avant. Juste avant, j'ai dit non, mais la lumière, elle fait des sales gueules. Il m'a dit non, mais les sales gueules, on les a. J'ai dit ouais, t'as perdu ton romantisme. T'aurais dû me dire oh, non, mais chérie, t'as jamais de sales gueules. Genre, maintenant, il a fait. Ah, elle a sauvé son fils. Ouais, il avait tombé. Non, mais c'est vrai, moi, je. Je sauve tout le temps, j'ai toujours un œil sur mes fils. Du coup, le room tour commence juste ici. On a la première chambre qui est la chambre Ruby. Voilà, on a déjà un grand lit, un king size avec mon nouveau bedkin. Allez, on va montrer. On va montrer quoi, Ryan? On montre quoi? C'est quoi ça? Il y a un petit salon ici avec le miroir, la petite télé, super sympa. Mais c'est la salle de bain vraiment qui claque. Regardez-moi ça. C'est trop bon. On a un jacuzzi ici. Là-bas, il y a la douche. Et vraiment, le space, c'est les toilettes japonaises. Voilà, t'as des toilettes qui te lavent les fesses, qui te sèchent les fesses. Si ça, c'est pas stylé. T'as pris un chocolat entier, toi. Et ensuite, on a la deuxième chambre qui est la saphir. Voilà la saphir, j'aime vraiment trop ce tableau, vraiment trop trop. Et là, on a pareil, une petite télé, un lit king, je pense plutôt que c'est un queen, tu vois. Et on a un petit coin ici, make-up, salle de bain, voilà, la petite baignoire sympa. Et on est toujours sur des toilettes japonaises. Voilà, on va prendre un petit peu le temps de s'installer, peut-être d'aller dans le jacuzzi ou quoi, mais en tout cas, on vous garde avec la galère amie. Voilà, à la découverte de la neige, mes petits bibins d'hommes. Oh non, c'est pas cool. Oh, là, il va tomber. Non, Ryan, c'est comment la neige? Montre. C'est comme de l'eau. Oui. Oh, c'est trop bien. 1, 2, 3. Non. Ils m'ont attaqué, moi aussi. Je me venge. Tiens. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? J'ai écrit quoi? Elle a écrit quoi, maman, ici? Et maman? Maman? Tiens, là. Ah! Je vous jure qu'on va la mouiller. Je vous jure qu'on va la mouiller. Regardez-moi ça. Elle a du mal à se déplacer. Oh, oh. Ryan, Ryan, tu es français ou tu es algérien? Algérien. Yay, check maman. Kiki, Kiki, tu es français ou tu es algérien? Algérien. Yay, check maman. Ouais, mon baby. T'es français ou algérien? Algérien. On dit quoi? On dit one. Algérien. Encore. One, two, three. Il va vers Algérie. Encore. One, two, three. Il va vers Algérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Ok, j'éteins la lumière. Ok. Oh, non, not this one. Oh, this one? Ah, this one.
Bye bye. Et on a notre petit déjeuner privé VIP en mode Versace. Ça a l'air bon tout ça. Good morning la Garnier Family, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui on va au Blue Lagoon. Alors c'est comment on dit ça? Lagoon qui est bleu. Non, c'est pas ça. C'est une source d'eau chaude naturelle qui est super chaude en fait. Ok, allez, 1, 2, 3. Hello la Garnier Family. Bravo. Je meurs, il est trop mignon. Voilà, en fait, c'est une source d'eau chaude naturelle. Donc, en fait, c'est en plein milieu de la neige et on a trop hâte de voir ça. J'appréhende quand même un petit peu parce que l'eau est super chaude. Mon Sammy est en train de chercher son GPS là où on va. Vous voyez, on est vraiment dans un endroit qui nous est pas propre du tout, quoi. C'est vraiment nouveau pour nous. Céane va conduire dans la neige. Ah, c'est bon. Okay. On va démarrer. Et une fois que je suis parti dans la neige, je sais que j'aurais plus trop le choix. Donc, je me set up. De toutes les options possibles de setup, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Parce que madame a peur. Oui, il n'a pas le droit de toucher son téléphone pour moi. Les enfants, vous avez vu comment c'est tout blanc dehors? C'est beau, Ryan? Tout blanc, c'était quoi? C'est quoi le blanc? C'est la neige. Kiki, c'est beau la neige? Tu veux vivre dans la neige? Tu veux rester ici tout le temps, Ryan? Non. Non? Waouh! Tu veux venir ici en Islande, à Dubaï ou à Paris? À Paris? Par contre, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, en fait, le vent, ça nous fait vibrer notre voiture. C'est vraiment flippant. Ça fait peur? Je le flippe là, totalement. C'est vrai? C'est vrai? Mais non. Ah, parce que là, sinon, j'aurais pris le volant. Pas le permis, mais bon, vu qu'il m'écoute pas, j'ai l'habitude qu'il m'écoute pas, donc je finis ma blague avec une explication moi-même, vu que lui n'est pas capable de le faire. C'est quoi la blague que j'ai faite? T'as dit je prends le volant. Et bah pourquoi t'as pas réagi alors? Mais c'est pas le permis. Bah oui, mais t'as rien dit. Donc c'est moi, j'ai dû expliquer ma blague toute seule. C'est vraiment nul. J'aimerais que tu continues. C'est vraiment nul. De ne plus jamais écouter les advice de Céane. Regarde marcher dans le froid. Regardez mes bébés, ils sont toute la tête toute rouge. Regarde ton petit nez. Montre-moi ton petit nez, toi. On a marché pour le Blue Lagoon. Attends. Pour le Blue Lagoon, on a marché tout le prix qu'il me disait. Non, ne mettons pas toutes les couches d'habits. Et on s'est pas habillé assez chaudement, j'ai envie de le tuer. Voilà, on est dans le Blue Lagoon. C'est super chaud, mais à l'extérieur, voilà, on est dans la neige, quoi. On s'est divisé Ryan et Kiki. On cherche Ryan et... Papa. Et papa, voilà. Regardez, on va rester par là. C'est bien, Kiki, le froid comme ça? On est caché où? On est où, Kiki? Sous le pont. Sous le pont. D'Avignon? Non. D'Islande? Non. Si. Sous le pont. C'est super chaud, non? Ça va celui-là? Ouais, c'est trop bien en vrai. Non? On va revenir? Ouais. Voilà, alors on cherchait Ryan et papa pendant longtemps. Et en fait, ils étaient toujours pas dans l'eau. On les a cherchés pendant 10-15 minutes en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, Céane? Il m'a fait une crise dans la douche. Céane, il a eu droit à une crise parce que Ryan ne voulait pas se doucher. Devant en fait, la douche est obligatoire avant de rentrer. Alors, je vous explique. En dessous l'eau, il fait plus 40. Et là où je tiens le téléphone, plus 40.
Non, moins 5 après. Oh là là, comment j'ai froid. Bon, je vous montre un peu, c'est un centre. Regardez, c'est un centre là, voilà. Et il y a la montagne qui est juste là. Waouh, il y a la neige partout. Regarde Ryan, maman, ce qu'elle va faire. Look at this. C'est beau. Allez, on écrit Kian ici. Voilà. Ryan et Kian. Kian est dans ma voiture. C'est trop mignon. Look at the car. So many. Regardez, ma femme, elle est là, là. Elle a... On a trouvé un bonhomme de neige. Sacrilège, Céane l'a cassé. Je peux casser le deuxième, là? Non, ça se fait pas. Franchement, depuis le temps que... Ryan, il était au bout de sa life quand Céane, il a cassé le pot. Mais regardez-moi ça. Que Dieu m'en soit témoin, machallah. Mes bébés, ils sont vraiment trop choupinous. Ah, méchant papa. Allez Ryan, Kiki attaque papa. On attaque papa les enfants. Attaquez papa. Attention. Moi ça rigole. Allez Ryan, tire sur papa. Sur papa, Ryan, maman, maman, t'étais dans le ventre maman, de qui? Ah, il a joué sur corps. C'est ça. C'est pas bien, maman. Ryan. Ah. Fais attention à pas la relancer sur là où ça leur rentre dedans. Non mais c'est pas possible. Tu fais quoi? Tu restes dedans. Non mon pauvre bébé. Regarde, regarde. C'est cuit. On va lui acheter d'autres bottes, c'est pas possible. Non, hé, hé, laisse mon fils, hein. Voilà, je suis assez fort. Non, c'est Anne, c'est Anne. Moi, je... T'es pas cool. Olaf, c'est la reine des neiges. Ouais, il faut ses yeux. Quoi? Oui. Quoi? C'est quoi? Les yeux et la bouche. Vas-y, fais-le. Non, elle est forte. C'est des sourcils. Ils sont moins épilés. Hein. Et... Non, elle a cassé la tête. Non, non. Oh, c'est ton premier bonhomme de neige, Ryan. Kiki, viens, asseyez-vous à côté, on fait une photo. Ryan, Kian. High five au bonhomme de neige, 3, 2, 1, high five. T'as l'air tellement ridicule. Est-ce que c'est un papillon? Ah, je sais pas, tu verras le résultat. C'est pas un papillon? On dirait un petit ange. Mais... Oh, Kiki aussi! Il est fier de lui, regarde, il est trop mignon. You want to bam bam? You want to chill with the big boy? Oh. Non, non, non! On a sorti l'air bad ball. Ryan, pas là. Dans le sac, dans la neige. Voilà. Allez, vas-y, go. Allez, jouez.
Joue au foot. Non, pas les mains, Kiki. Le pied seulement. Non. Non, non, non. 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 On a sorti la Urban Ball. Ouais, tu... Wow. Je vais tirer où, toi? Go. 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 Passe. Pourquoi tu veux mettre la balle là? Ouais. Non, pas là, Ryan, c'est une bêtise. Shoot, shoot, shoot. Un petit pont. Un petit pont. Shoot. Allez, viens. Allez, viens. Allez, go. Allez, attrapez tous papa. C'est la fin. L'arbitre a sifflé le but de la fin. Tu fais quoi, Kian? Il trappe la mer. Ah, comme ça. Et on a trouvé un restaurant syrien halal. Voilà, fallait vraiment le faire. J'aurais jamais pensé trouver. Je me suis dit, franchement, là, le séjour en Islande, pendant une semaine, on va manger du poisson. It's time to dancing. Et là, en fait, on a trouvé un resto halal. Je suis trop contente. Du coup, on a commandé notre petit sandwich à la viande. Et franchement, il y avait d'autres kebabs et tout dans le coin. Donc, vraiment étonnée. Voilà, je vais vous dire si c'est bon. T'as goûté le sel? Goûte. Ryan, t'as goûté quoi? C'est quoi ça? C'est pas du sel, ça? C'est ça, le sel. Je sais pas, ça pique ou ça pique pas? Ça pique. Ça pique? Oh, mon bébino. Elles sont trop belles, vos tenues, comme ça. Ah, alors? Oh, je t'aime trop, t'es trop chou. Kiki aussi veut goûter le sel. Assieds-toi, assieds-toi, mon ours. Pas tout. Ça, regarde, Kiki va goûter le sel. Vas-y, go. Que un petit peu. Good, 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 good. Tout petit peu, hein? Good, 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 good. Hein? Hein? Alors? Mmh. Yummy? T'as rien mis? Goûte le poivre. Il est là. C'est là, goûte. Goûte non, il a goûté, c'était du poivre? Ouais. Goûte là. Alors? C'est yummy? Il fait aucune tête qui grille normal. Genre, il a pris un bonbon. C'est pas comme le citron pour. Et voilà, je vous montre du coup ce qu'on a pris. Céane, il a pris une grillade. Moi, j'ai pris une sorte de wrap. Et les enfants, Kiki, tu peux t'asseoir s'il te plaît? Il regarde le but de Mbappé d'hier. Il s'appelle Kylian, comme Kiki. Et voilà. Et on a pris des nuggets et un burger, on l'aura partagé tous les deux. Tu peux arrêter de faire du bruit avec les frites alors? Comment, comme ça? Céane, j'ai envie de te tuer, la vérité. Que là, s'il y a une voiture, elle t'écrase, je pleurerai pas. Ah bon? Kiki, okay. C'est bon?
T'es vraiment trop belle. Franchement, mon sandwich, il est trop bon, moi aussi. C'est vraiment un débile. Voilà ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait, ce débile. Non, mais il est vraiment con. Arrête. Oh. Mais il est vraiment con. Mais il est malade. Mais t'es bête. Jure, t'as pas dit. T'as pas dit, c'est bon, je regrette. Jure, t'as pas dit ça. J'ai pas... Non, parce que t'es bête. Faut pas en faire un truc comme ça. Donc t'as même pas dit que je regrette. Non mais... C'est-à-dire que moi je pensais que tu disais... Mais pourquoi tu vas aller, pourquoi tu vas aller sous une voiture? Tu m'as dit, s'il y a une voiture qui t'écrase, je regretterai pas. Je pensais que tu allais dire vrai. On coupe parce que sinon je vais le tuer de moi-même. Et il y a un mec en t-shirt. En t-shirt. Genre nous on a 4 couches sur nous. On vient de s'arrêter dans un espace plein de neige. Et regardez-moi ça, on a trouvé un igloo. Je sais pas qui l'a fait ou combien de temps ça a mis, mais c'est dingue. Oh, Kiki, il a trouvé un chien. Viens la main ici. Regarde, il va venir. Non, jette pas sur le chien. Ryan, non. Il mange la neige. Ah, il a mangé la neige. Like the boat. Petite carotte. Voilà. Tu vois, il était vraiment bien gentil. Regardez-moi ça, on a trouvé un igloo en plein milieu de la ville. Coucou. Celui-là, tu rentres dans le igloo? Non. Pourquoi? Casse-toi. Parce que ses fesses, elles passent pas. Allez, je vais essayer de passer. Oh, il a craqué. Ah bah dis donc, hein, ça se fout de ma gueule. Allez, gros coup de pied dans le cul. Je suis là. Eh, hey, c'est trop bien. Eh, hey, je suis coincé. Je suis dans un igloo, Sarah. Alors, regardez les amis, tout ça là, tout, c'est un lac gelé. Mais cette partie-là, elle n'est pas gelée, bon, je sais pas pourquoi en fait. Et il y a tous les canards. Il y a plein de canards, ouais. Allez, donne un petit peu. Je crois qu'on a trouvé le bonheur de Céan, un terrain de foot. Au milieu de nulle part, regardez. Enfin, milieu de nulle part, non, il y a des maisons. Mais genre remplies de neige, c'est juste oufissime. On a vu ça en passant sur la route et on s'est arrêté directement. C'est vraiment dingue. Et puis, genre, franchement, le paysage est juste ouf, quoi. Ok, Ryan, le challenge de la vidéo, c'est de marquer un but comme Cristiano Ronaldo. Tu vas courir jusque là-bas. Après, tous les enfants, ils sont perdus. Ok, voilà, que toi qui as gagné. Quand tu vas marquer le but, tu fais « Si !» Ok, 3, 2, 1, go, go. Allez, go, voilà. Oui, Cristiano. Oui, oui, c'est ça. Oui, vas-y, pousse le ballon. Voilà, il a progressé de ouf, hein, depuis qu'il a 2 ans, pour ceux qui le connaissent. Oui, pousse le ballon, oui. Oui, oui, vas-y, célébration. Ouais, check papa. Check papa, check papa. Check. Yes. Vas-y, celui-là en PLS, pour ceux qui veulent l'avoir. Elle a une photo Instagram où elle est magnifique et 3 minutes plus tard. C'est plus magnifique. T'es en PLS, c'est pas pareil. Non, mais, t'as pas... mais tu vas mouiller ton truc. On va le faire avant. Quoi, maman, elle fait suis. Vas-y, go. Go. Maman. Check maman. Check maman, mon futur footballeur. Yeah. Ça va, Kiki? Oui. Tu joues? Montre-moi comment tu fais. Waouh. Go Kiki! Maintenant Kiki, va mettre un petit pont, mets un petit pont! Mets un petit pont Kiki! Mets un petit pont! Va marquer le but! Va marquer le but! Va marquer le but! Allez go! Va marquer, pousse le ballon! Pousse le ballon! Pousse le ballon, vas-y Kiki! Ah, y'a faute! Neymar, Neymar! Neymar! T'as perdu! Non, t'as perdu! Allez vite, regarde! Vite Ryan, prends le ballon! Oh but! Quoi celui-là? C'était quoi cette célébration? Là, dis-le-moi en commentaire. C'est juste dingue. C'est extraordinaire. Franchement, j'aime trop, c'est trop beau. Allez, Ryan, monte. Ouh. Allez, viens, mon Kiki. Viens faire les toboggans avec Kiki.
Allez Kiki. Allez, un. Attention Ryan, attention. Deux, trois. Quoi mon fils, quoi? Aïe aïe aïe, c'est bien le fils à son père ça. Voilà Garé Family, je me plains tout le temps à Dubaï de conduire, mais là en Islande, c'est juste magnifique. Le paysage, tout est magnifique, du coup c'est un plaisir de conduire, c'est comme si tu faisais une longue balade et que tu visitais tu vois, là, c'est le coucher de soleil, il y a les montagnes et tout. Voilà, c'est stylé. Celui-là il est en flip parce que je conduis et je fais tout en même temps. Mais bon, il n'y a personne sur la route donc ça va.